que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une petite vidéo sympa avec mes deux petits ratounets. Donc là, il y a Tangkol et Vorax qui sont tranquillement installés. Moi aussi, je suis tranquillement installée dans mon lit en compagnie de Corvus et on va dessiner tranquillou. Donc j'ai commencé à faire mes deux croquis. Donc là, on voit un croquis de Corvus en style manga. Et un petit chibi rigolo et mignon de Corvus également. Donc là, je vais crayonner tranquillement, je vais ancrer, puis après on va coloriser tout ça. Donc voilà, tout en papotant, tranquille. Tout pour le fun, donc on se met pas la pression, on s'installe et puis voilà. Un petit encol. Un petit Allez, poup poup. Voilà ton frère. Allez, on continue. Donc le crayon, l'ancrage est presque fini. Donc le make-up, comme je disais, c'est totalement de l'improvisation. Je n'avais aucune idée de quoi faire pour son make-up. Sauf qu'il allait avoir les yeux jaunes. Ça, je savais qu'il aurait les yeux jaunes. Et du coup, bah, c'est venu naturellement de faire ce make-up. Voilà. Donc un peu de gris. Corvus sait très bien se battre, sait très bien se défendre, sauf contre les, malheureusement les molosses, les orques. Mais comme il était prisonnier dans une cage magique, il ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs, il ne pouvait pas du coup utiliser ses clés pour se téléporter. Donc voilà, autrement il aurait pu s'en sortir, comme il est très agile. Il y a Darek qui lui paye des cours pour utiliser le katana, un peu comme un ninja quoi. Gros pâté comme il est beau. Oh mon bobo, tu es beau mon bobo. Oh mon beau tatinque. Tant d'amour, ces petites boules de poils.
J'ai eu plusieurs rats et là j'en ai repris. Hein? Mes petites boules d'amour. Ouais. J'adore dessiner avec mes rats, ça me détend. Je trouve ça tellement relaxant, puis ils sont tellement rigolos. Des fois ils sont tout calmes et des fois ils sont tout foufou. Ça va, ils sont tranquillous. Donc Corvus aussi a des ailes plus petites que celles de Darek, donc elles sont également noires comme c'est un esprit corbeau. Donc voilà, j'arrête pas de dire voilà, voilà, ça doit être vachement saoulant, désolé. J'ai oublié de faire ses chaînes aussi qu'il a à ses mains, il a des petites chaînes. Mais bon, c'est pour représenter qu'il appartient déjà à un Tengu. On va continuer. Vous voulez voir une grosse patate? Regardez-moi cette patate. Oh là là. Un gros vovo, il est beau. Ah, mon pâté. Je t'embête. Oh. Oh oui, je t'embête. Mon petit doudou. Oh. Un son bidon, on dirait un mochi tellement c'est moelleux et dodu. Le micro retourné. Bon allez, zou, on continue. Donc on va... Ah mince, ça passe à travers. Bon, c'est pas grave. Allez, on va quand même attaquer. Non, cette fois je vais faire avec quel crayon. Allez, bouge, Vovo. On va pas dans les crayons. Hop, je reprends mon stabilo. Pointe 0,4 mm. Et on va ancrer celui-ci. Donc, les dessins sont faits de tête. Je me suis pas pris la tête. Bon, c'est pas parfait, mais bon, c'est juste pour le fun, quoi, pour me détendre. Donc là, on fait un Corvus un peu plus adulte, on va dire. Thank you.
Donc voilà, mes deux petits dessins, ils sont finis. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour un nouveau petit dessin ou une nouvelle vidéo. Salut Minek!